Buongiorno, a nome di Pitti Immagine, sono Lapo Cianchi, direttore comunicazione ed eventi. Vi do il benvenuto a questo nuovo incontro, incontro dedicato al tema della memoria, che è uno dei temi forti di questa edizione di Fragranze. E fra l'altro vi invito anche, chi non l'avesse fatto, a dare un'occhiata alla installazione che c'è all'ingresso della manifestazione, dei Colors of A New Memories di Chris Radol, che è molto interessante e che è stata fatta fra l'altro in collaborazione tra l'artista Chris Radol e AFF. AFF è ancora una volta protagonista con noi. Il tema di oggi è un tema abbastanza inedito per le nostre latitudini, perché si parlerà dell'impiego delle fragranze in ambito scientifico-terapeutico, cioè si parlerà di esperienze molto innovative che sono state fatte negli ospedali pubblici di Parigi su pazienti di un certo tipo. Poi le persone che sono qui con me ve lo racconteranno molto meglio. In particolare do il benvenuto a Eleanor Massenet, che è uno dei nasi più importanti di AFF, è una persona che ha creato per marchi come Estée Lauder, Lancôme, Armani, Galliano, Diesel e altri, che sarà la conduttrice e la, come dire, la protagonista in prima persona di questo talk che si chiama Mémoire émotionnelle à travers l'olfaction. Insieme a lei, Céline Manetta, che è una delle ricercatrici in Global Consumer Science all'AFF, e Anna Monté, che è una giovane studentessa, ma anche paziente, e quindi è lei che potrà raccontare anche in prima persona l'esperienza di cui si parla. Detto un tema inedito perché per la prima volta si parla delle fragranze, del senso dell'olfatto in questa declinazione, cioè come uno strumento che può servire in certe terapie, ma anche molto molto delicate. Quindi grazie per essere qui e do la parola a Eleanor Massenet. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier beaucoup le Pitti Fragrance de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de la mémoire émotionnelle à travers l'odorat. Le sens de l'odorat humain peut détecter près de 10 000 odeurs, 10 000 expériences différentes, 10 000 souvenirs. L'odorat est là comme une encre dans notre histoire, dans notre passé. Le sens de l'odorat peut rejaillir à tout moment. Le romancier français Marcel Proust explore ce mystère dans son ouvrage À la recherche du temps perdu, dans lequel il décrit comment l'odeur d'une madeleine imbibée de thé peut faire rejaillir plein de souvenirs d'enfance de quelqu'un. À ce sujet, je vais laisser la parole à Céline Manetta, qui va nous parler plus spécifiquement. Alors, merci Aliénor. Nous avons tous une expérience de ce que des chercheurs en... Des chercheurs en psychologie ont appelé le syndrome proustien, ou Proustian Phenomena en anglais. Donc, ce sont des chercheurs de Liverpool en 2000 qui l'ont nommé ainsi. Pour ma part, j'ai pu expérimenter ce phénomène à l'occasion d'une représentation de théâtre. Je suis comédienne en amateur, bien sûr, pendant mon temps libre. Et tous les ans, ou presque, avec ma petite troupe de théâtre, nous organisons des représentations. Et cette année-là, il s'agissait pour moi de jouer le rôle d'une intendante de la reine. Il fallait donc que je trouve mon costume. Et je me suis mise à chercher dans le grenier de la maison familiale. Donc autant vous dire que ça m'a pris des heures. Et puis tout d'un coup, je suis tombée sur un tailleur pied de poule qui avait appartenu à ma mère. Il était rose framboise, je le revois encore.
Je criais donc victoire et je m'empressais d'essayer ce costume, ce tailleur. Et tout d'un coup, le phénomène survint. C'est-à-dire que je me suis sentie envahie par le parfum qui était resté imprégné sur le tailleur. J'ai eu le sentiment d'avoir 5 ans, d'être retombée en enfant. Je me suis sentie vraiment rapetissée, redevenir enfant. Tout d'un coup, j'étais lovée dans le cou de ma mère. Je sentais son parfum, elle me faisait des câlins. J'entendais des mots doux à mon oreille. Et puis, ça s'est arrêté. Ça a duré une fraction de seconde. Je suis revenue à la réalité, mais je suis restée encore confuse quelques instants entre rêve et réalité. Je ne savais pas trop bien ce qui m'était arrivé. En tout cas, j'étais très émue. Très émue, et j'ai eu vraiment ce sentiment de retrouver mes 5 ans. Alors, que s'est-il passé? Il semblerait bien que j'ai été victime de ce que les chercheurs appellent donc le syndrome proustien. De quoi s'agit-il vraiment et comment les chercheurs l'ont-ils étudié? Alors, selon ces auteurs, le syndrome proustien correspond à la capacité que les odeurs ont spontanément à faire revivre des souvenirs autobiographiques, donc personnels, qui sont très vivaces, qui ont une connotation affective et qui sont très anciens aussi. Comme le précisent les auteurs, il ne s'agit pas d'une expérience qui est réservée seulement aux professionnels de la parfumerie, aux experts. Tout un chacun peut témoigner d'une telle expérience, même si nous ne la décrivons pas aussi précisément et aussi poétiquement que Marcel Proust, je vous en conviens. Vous en conviendrez. Mais tout un chacun possède au moins un souvenir olfactif qui a la capacité à nous ramener de manière très forte et très puissante dans l'enfance. Pour certains, comme moi, c'est le parfum de la mère qui est ancré définitivement en mémoire. Pour d'autres, cela va être des odeurs de la nature, hein, le jardin du grand-père, ou des odeurs de cuisine, les tartes aux pommes de ma grand-mère. En tout cas, vous le savez bien, vous, professionnels et experts de la parfumerie, la mémoire des odeurs, c'est un vaste et passionnant sujet, mais c'est aussi un sujet qui passionne de nombreux chercheurs en psychologie. Bien que les recherches dans ce domaine soient encore nouvelles en comparaison à d'autres domaines qui sont bien beaucoup plus étudiés en psychologie, comme la vision ou l'audition, on commence, et donc on est loin d'avoir décrypté tous les rouages de la mémoire olfactive, on a pu mettre en évidence certaines caractéristiques. Par exemple, on sait maintenant que sentir une odeur fait intervenir les structures antérieures du cerveau, notamment le système limbique. Le système limbique, c'est un ensemble de structures qui joue un rôle dans les émotions, l'apprentissage et la mémoire. Ça expliquerait donc la décharge émotionnelle qu'on pourrait éprouver lorsqu'on sent une odeur et qu'elle nous rappelle des souvenirs. Mais les souvenirs olfactifs possèdent bien d'autres caractéristiques. Par exemple, des chercheurs ont essayé de dater les souvenirs évoqués par les odeurs et ceux évoqués par des images. Donc, lors d'une expérience, ils ont fait sentir des odeurs à des participants non malades, par exemple la lavande, et ils leur ont demandé de rappeler un souvenir et de dater ce souvenir, c'est-à-dire de dire à quelle période de vie faisait référence le souvenir évoqué. Les chercheurs ont montré que, avec les odeurs, les souvenirs évoqués font référence à des périodes de vie qui ont lieu pendant l'enfance, c'est-à-dire entre 6 et 10 ans. Alors qu'avec les images, ces souvenirs rappellent des événements qui ont eu lieu un peu plus tard, pendant l'adolescence ou pendant l'âge adulte, donc entre 11 et 25 ans. Les odeurs auraient donc la capacité à faire revivre des souvenirs qui sont très anciens en comparaison aux images. Alors, d'autres chercheurs ont conduit d'autres expériences et, par exemple, des chercheurs australiens et suédois, cette fois, ont proposé à des personnes non malades toujours de sentir une odeur, par exemple le clou de girofle,
soit de sentir l'odeur, soit de lire le nom de l'odeur, et ensuite de rappeler un souvenir. Et ensuite, ils ont demandé à ces gens de dire si ce souvenir est agréable, de dire si ce souvenir leur provoque des émotions, etc. Plein de, donc de juger les souvenirs sur de nombreuses dimensions. Ce qu'ils ont montré, ces chercheurs, c'est que les souvenirs évoqués à partir d'odeurs sont jugés comme plus agréables, comme plus émotionnels et surtout qu'ils sont associés à un plus fort sentiment d'être ramené dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est le sentiment d'être ramené dans l'enfance, d'avoir l'impression de revivre le moment où on vit l'événement. Alors, on en est encore au début de ces recherches, hein, en comparaison à d'autres sens, comme je vous le disais. En tout cas, sur la base de ces propriétés particulières de la mémoire olfactive, le CEW, en partenariat avec IFF, a mis en place des ateliers olfactifs auprès de patients atteints de différentes pathologies. Et je laisse Aliénor vous en parler plus précisément. Merci beaucoup, Céline. Donc, effectivement, tous les jours, nous mettons la puissance du parfum au service de la beauté, de la séduction, de la sensualité. Moi, aujourd'hui, je suis venue pour vous parler d'autre chose et du pouvoir que le parfum a sur les malades. En France, IFF a établi un partenariat avec le CEW. Le CEW, c'est les initiales pour Cosmetic Executive Woman. C'est une association professionnelle de femmes dirigeantes de l'industrie de la cosmétique. Pour, en fait, ce partenariat sert à quoi ? Il sert à explorer comment le sens de l'odorat peut être exploité pour déclencher des souvenirs, pour ouvrir une porte aux thérapeutes. Les thérapeutes, c'est qui ? C'est des orthophonistes, des neuropsychologues, des psychologues, voilà, toutes sortes de médecins. Grâce à cette porte qui peut s'ouvrir, les médecins vont avoir des différentes informations. Ce projet, il a débuté quand ? Il a débuté en 2000, lorsque une femme, Marie-France Archambault, qui est membre du CEW, a eu un frère qui a eu un grave accident, accident de la route, et pendant de nombreux mois, voire même une année, il a été hospitalisé à Garches. Garches, c'est une ville près de Paris. Et elle s'est aperçue que lui, ainsi que d'autres jeunes, avaient des problèmes de communication, s'embêtaient terriblement la journée. Et donc, elle est allée voir un des professeurs qui s'appelle professeur Bernard Bussel, qui est neuropsychiatre dans cet hôpital, et elle lui a parlé du projet. Elle lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des ateliers de parfum ? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose avec le parfum ? Ce professeur lui a dit, écoutez, l'idée de l'odeur est une très bonne idée. Voilà, faisons peut-être quelque chose. Alors, elle a mis en contact un monsieur qui s'appelle Patrick McLeod, qui est un chercheur en neurosciences et qui est président de l'Institut du goût. Tous les deux ont communiqué certaines données de recherche et ils sont revenus vers Marie-France et ils ont dit, ok, allons-y. Suite à tous ces rendez-vous et tout ça, ils sont venus voir Nicolas Mirzayans, qui est le président du groupe Fragrance chez IFF. Et l'histoire a pu débuter à ce moment-là. Ainsi, depuis 2001, donc c'est en 2001 où le premier atelier olfactif a commencé à Garches. C'était un atelier de groupe qui a duré à peu près entre un an à deux ans. IFF donc s'implique dans ce projet en finançant deux olfactothérapeutes, Patty Canac et Sabine Le Camus. La formation de bénévoles, on est à peu près une douzaine aujourd'hui. Le soutien administratif, c'est-à-dire faire une quantité de flacons dingues, et des kits de parfums. D'ailleurs, je vais laisser Anna et Enrica vous faire passer des touches, une touche d'une odeur qu'il y a dans ce kit. Ce kit,
c'est une somme d'à peu près entre 120 à 140 odeurs qu'on utilise pour, voilà, avec les malades. Alors, ces odeurs, on peut avoir des odeurs donc, dans le monde, je dirais, des paysages, comme le bord de mer, comme la campagne. Il y a une odeur d'ailleurs que les patients aiment beaucoup, qui est le champignon. Il y a des odeurs d'enfance, comme le crayon à papier, comme la colle que vous utilisez dans l'enfance, comme des odeurs de bonbons aussi. Il y a aussi des odeurs d'arômes. Et d'ailleurs, en parlant d'arômes, l'odeur que vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, vous fait penser à quoi? Est-ce que quelqu'un pourrait me décrire cette odeur? Et donc, c'est quelque chose qu'on mange. Et ça vous évoque quoi? Est-ce que c'est une odeur rassurante? Oui? Personne n'a une idée en tête? Oui, un biscuit. C'est effectivement l'odeur de la madeleine. Oui, la madeleine, voilà. D'ailleurs, c'est une odeur que... Enfin, Anna nous parlera de la madeleine plus tard. Donc, depuis 2007, moi, je me suis impliquée personnellement dans ce projet. Et c'est moi qui gère toute la collection de parfums pour ces différents hôpitaux. Donc il y a tout un inventaire à faire. Il y a souvent des nouvelles demandes. Là, je dois créer justement des odeurs d'alerte, comme l'odeur du poisson pourri, l'odeur du gaz, l'odeur des excréments aussi. Donc en fait, dans notre palette de 120-140 odeurs, il y a toutes sortes de variétés d'odeurs, de bonnes, de mauvaises, de joyeuses, de tristes. Voilà. Et tout ça dans le but pour essayer de faire ressortir l'émotion passée des malades. Et aussi pour les faire voyager alors qu'ils ne peuvent pas souvent bouger d'ailleurs. Aujourd'hui, le CEW... Donc aujourd'hui, le CEW, en 2012, a fait 290 ateliers olfactifs auxquels 1530 patients ont participé. Ces ateliers sont animés dans 11 hôpitaux en France. Il y en a à Nantes, il y en a à Marseille, il y en a beaucoup à Paris et dans la région parisienne, comme par exemple Ambroise Paré à Boulogne, Saint-Louis, où on traite le cancer, enfin où on aide pour le cancer, la maison des adolescents à Cochin. On est assez présent aussi à Villejuif, qui est un gros centre pour tout ce qui est aussi cancérologie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et bien sûr à Garches. Et cette année, on est présent dans un atelier pour les malades atteints d'Alzheimer. À la salle pétrière. Les bénévoles donc, du CEW sont impliqués comment? Ça dépend des pathologies, mais on a souvent des ateliers en groupe et on est dans 4 pathologies. Donc la traumatologie, qui est donc, des patients qui ont eu des accidents de la route, des patients qui ont eu des AVC, voilà, toutes sortes de traumatologies. Ensuite, on est aussi très présent en oncologie, en gériatrie, par exemple à Ambroise Paré, ou pour les adolescents qui sont en souffrance. Pour les adultes souffrant de lésions cérébrales, le sens de l'odorat est utilisé comme une méthode de fonction verbale et cognitive. Certains de ces ateliers, d'ailleurs un certain nombre, sont faits individuellement avec une olfactothérapeute qui s'appelle Patty Kanak. Et elle va faire la plupart du temps prendre 3 ou 4 odeurs avec le patient et une orthophoniste ou un psychiatre pour ouvrir l'accès
après avec le thérapeute pour qu'il puisse poser plus de questions. Donc, mais moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Depuis donc 3 ans maintenant, je vais tous les 3 semaines à peu près près de Garches. Ça s'appelle l'ADEPMAS. C'est un hôpital de jour. Donc, ce sont des patients qui, la plupart du temps, ont eu un très grave accident, qui ont passé beaucoup de temps à Garches et qui viennent ensuite là où je suis. Et je vais, donc j'ai un groupe d'à peu près entre 10 à 12 patients. Mais je vais vous raconter une séance. Très bien, t'as trompé. Je vais vous raconter donc une séance qui s'est passée il y a à peu près 6 mois de ça. Donc il y avait 12 patients. Il y avait 12 patients. Et il y a une jeune femme qui s'appelle Martine. Je ne peux pas vous donner son nom, son véritable nom. Martine a eu un accident de la route à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, elle en a 40. Elle est dans un fauteuil. Et on doit l'aider pour manger, pour aller, pour toutes les conditions de pour manger, pour aller aux toilettes, pour faire tout ça. Et ce jour-là, donc c'était il y a six mois, c'était le printemps, et je me suis dit que j'allais faire une séance autour des fleurs. En plus, il faisait beau ce jour-là, le jardin de l'hôpital était magnifique. Et donc, quand Martine a senti la première odeur, la première fragrance, elle nous a dit « je suis transportée dans du coton ». Et en fait, je lui faisais sentir l'odeur du mimosa. Je ne sais pas si tout le monde voit comment est le mimosa, cette petite boule de fleurs. On dirait, on a l'impression de toucher du coton. Là, Céline et Anna et Enrica vous ont donné une touche, une deuxième touche. Cette touche, je l'ai fait sentir aussi à Martine et aux 11 autres patients. Et je leur ai demandé, ça vous fait penser à quoi ? Et elle m'a répondu, là, je me promène avec une reine. C'était, je ne sais pas si vous avez reconnu la fleur. Est-ce que ça vous fait penser à une fleur particulière ? Elle a dit ce jour-là, là, c'est la reine, je me promène avec une reine. En fait, cette fleur, c'est la tubéreuse. La tubéreuse, c'est pour nous, les parfumeurs, la fleur la plus puissante de notre palette, la plus sexy, la plus sensuelle, la plus opulente. Donc ça m'a beaucoup touchée. En plus, c'était la première fois qu'elle sentait cette odeur. Ensuite, nous avons continué notre promenade printanière et j'ai donné donc une troisième touche. Et là, Martine nous dit, là, nous sommes dans une prairie d'innocence. Et c'était l'odeur du muguet. En fait, pourquoi je vous raconte cet atelier en particulier ? Parce que de pouvoir décrire des fleurs, c'est extrêmement difficile. Et en plus, quand on a eu un problème cérébral, c'est encore plus compliqué. Surtout pour vraiment décrire et mettre une émotion aussi forte. Donc en fait, Martine, elle a transporté tout le monde au moment de cet atelier dans un univers magique et imaginaire. Donc là, je viens de vous raconter un atelier que j'ai mené dans le département traumatologie cérébrale. Il y a aussi des groupes en cancérologie, donc à Saint-Louis, à Villejuif. Et donc là, ce sont d'autres bénévoles qui le font. Moi, je n'y vais pas. Mais après avoir parlé avec une ou deux bénévoles, elles m'ont raconté certaines choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, il faut savoir que quand un patient a un traitement en chimiothérapie, il perd le goût. Dans la bouche, il a un goût très métallique. Il perd le goût et il peut perdre l'odorat la plupart du temps.
Là, les ateliers qu'on fait, c'est avec des adultes, surtout avec des femmes. On ne le fait plus avec des enfants, enfin pour l'instant. Donc en fait, on va se servir de l'olfaction pour déjà les évader de leur thérapie et aussi pour leur réapprendre d'autres odeurs. Donc par exemple, les épices. Les femmes aiment beaucoup sentir des épices. Et après, les épices vont leur permettre, dans leur alimentation, à mettre un peu plus d'épices pour relever le goût fade qu'elles peuvent avoir. Parce que c'est vrai que manger, par exemple, des courgettes, en chimiothérapie, la courgette peut paraître comme de l'eau. Alors que si on met un peu de poivre, un peu de cumin, ça peut faire ressortir et elles peuvent redécouvrir, justement, avoir plus de plaisir à manger. On a eu aussi d'autres moments où ces femmes portaient souvent des parfums à base de vanille, la fameuse d'ailleurs Guerlinade de Guerlain, et elles n'arrivaient plus à le sentir. Donc on leur a fait sentir d'autres parfums et elles sont, en sentant d'autres parfums, elles ont découvert d'autres choses et elles ont voilà, redécouvert du plaisir. Alors, il y a aussi, maintenant, il y a un autre projet que j'ai, qui me tient vraiment à cœur. C'est un travail que j'ai commencé donc, il y a 5 ans à peu près. Et il s'agissait d'aider les adolescents en souffrance, donc atteints de boulimie et d'anorexie. Alors, j'ai travaillé d'arrache-pied avec une olfactothérapeute, Sabine Le Camus, pour trouver justement un nouveau modèle, quelque chose de nouveau pour ces jeunes. Donc on a décidé de faire des ateliers de création. Dans les ateliers de création, ça permet à quoi ? Ça permet, d'ailleurs je vais vous lire, ce sera plus vivant, je vais vous lire une lettre d'un docteur, docteur Aurélie Ars, qui est un docteur à la maison des adolescents, à l'hôpital de l'hôpital de Cochin. Je vous lis un petit passage si ça ne vous dérange pas. L'utilisation de cette médiation leur permet d'améliorer leur image d'eux-mêmes, d'établir des relations sociales et d'avoir plus confiance en leurs capacités. La médiation spécifique, qu'est la création et le travail autour de parfums, est particulièrement utile avec ces adolescents. En effet, la sensorialité, l'approche par les odeurs, le corps leur permettent d'élaborer des éléments de leur histoire qui ne sont plus accessibles autrement. C'est un atelier qui est très investi par les adolescents. Et d'ailleurs, ce même médecin nous demande cette année d'ouvrir beaucoup plus d'ateliers, ce qu'on va peut-être réussir à faire en 2014. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Anna Monté à nos côtés, qui est donc étudiante en première et qui a été hospitalisée à Ambroise-Paré pendant plusieurs mois. Et elle est venue aujourd'hui témoigner de ses ateliers. Donc je vais lui poser des questions. Et voilà, Anna, tu nous racontes ton parcours. Donc Anna, comment se déroule un atelier de parfum à Ambroise-Paré ? Ça ne marche pas ? Bonjour. Donc moi, j'ai été, comme dit précédemment, hospitalisée quelques mois à Ambroise-Paré. J'ai assisté en tout à 3 ateliers olfactifs, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Nous sommes prévenus, nous et les autres patients, environ une semaine à l'avance, qu'il va se passer un atelier olfactif, car il se passe toutes les 2 semaines, donc une fois toutes les 2 semaines, et tout le monde ne peut pas forcément y assister parce que nous sommes beaucoup de patients et que les groupes sont composés d'environ 8 personnes, même si souvent... quelques infirmières ou des bénévoles de l'hôpital viennent y assister avec nous par curiosité. Nous sommes dans nos chambres, chacune, et lorsque vient le moment de l'atelier olfactif, certaines infirmières ou aides-soignantes viennent nous chercher pour nous emmener dans une salle qui s'appelle la salle de jeu ou la salle de loisirs,
C'est une salle où nous pouvons trouver un peu de choses pour nous distraire, comme des jeux de société ou des choses pour créer des boîtes ou de la peinture. Mais cette salle est dédiée aussi à tout autre atelier, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc nous arrivons dans cette salle, nous nous asseyons tout autour de la table, parce que la plupart du temps, ce sont des filles qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire. Donc nous sommes assises autour d'une table, et il y a généralement deux bénévoles du CEW qui nous présentent des bouteilles. C'est à l'aveugle. Nous ne voyons pas ce qu'il y a écrit sur les bouteilles. Et nous procédons dans un premier temps à un jeu de reconnaissance olfactive. Donc ils nous font passer, comme on vous l'a fait faire là juste avant, des mouillettes avec des parfums, de différentes choses, et nous devons essayer de deviner. C'est pas forcément évident quand on connaît pas, mais en tout cas, on essaye de poser des mots dessus pour dire ce que cela nous évoque ou les sensations que ça nous fait. Et une fois que nous avons passé en revue tous ces parfums, nous en choisissons quelques-uns pour les mettre de côté et ensuite pouvoir créer nos parfums. On nous distribue à chacune des flacons où nous mettons une base de parfum qui est commune. Si c'est un parfum féminin, c'est une base féminine, ou un parfum masculin, une base masculine. Et à cette base, nous rajoutons chacun des arômes, enfin les senteurs qui nous ont le plus touchés ou que nous pensons qu'ils vont bien ensemble. Nous avons une feuille pour faire notre formule. C'est une formule où nous mettons le nombre de gouttes, parce qu'on n'est pas très, très expérimenté. Tu n'as pas de balance là-bas ? Non, on fonctionne avec des pipettes. Et donc, nous avons l'impression d'être des petits chimistes, parce qu'il y a quand même cette formalité de remplir une feuille. Donc, et puis, on se dit qu'on pourra le refaire ultérieurement. Et on choisit de donner un nom à ce parfum. Une fois le parfum terminé, nous avons le choix de mettre une étiquette dessus et de la customiser comme nous voulons pour faire notre propre flacon, que ce soit une expérience plus personnelle. Merci beaucoup. Anna, quelles sont les odeurs que tu as préférées ? Les odeurs que j'ai préférées, c'est plutôt personnel, parce que ça, c'est des odeurs qui m'ont touchée, c'est des odeurs que j'ai appréciées pour des raisons qui me sont propres. J'ai beaucoup aimé, comme dit précédemment, l'odeur de la madeleine, parce que c'est vrai que c'est une odeur qui m'a rappelé mon enfance aussi, parce que je faisais des ateliers de cuisine avec ma belle-mère le mercredi après-midi quand j'étais petite. Et pour une autre raison, qui est qu'en fait, moi, j'ai été atteinte d'anorexie mentale, qui fait que je ne m'autorisais pas à manger ce genre d'aliments-là. Et le fait de ressentir cette odeur m'a rappelé un goût. Ça peut paraître étrange, mais je pense que si vous avez des gens autour de vous qui se privent de manger quelque chose ou qui sont malades, quand ils redécouvrent un goût, c'est une sensation très puissante, très intense en fait, parce que on a perdu cette notion de plaisir, et le fait de sentir ça nous permet de se reconnecter avec un goût. Et ça peut paraître étrange pour une personne lambda, mais je peux vous assurer que pour les malades, ça leur fait tout ça, en tout cas les gens autour de moi. Puis un second parfum que j'ai beaucoup aimé, c'est le patchouli, mais ça c'est encore plus personnel, c'est qu'en fait, ma mère a un parfum qui sent le patchouli. Et quand on est à l'hôpital, on est très loin de tous ses proches, on est loin de notre famille, on est loin de notre cocon, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, et le monde est quand même aseptisé, et on n'a pas l'habitude de sentir ce genre d'odeur. Et c'est vrai que, comme Céline, j'ai senti ça, de me sentir avec ma maman, une fraction de seconde, c'est sûr, mais en tout cas, c'est cette proximité que j'ai recherchée. Puis les autres odeurs que j'ai aimées, c'était plutôt la vanille, le musc et la rose. Mais ça, c'est plus parce que je pensais déjà à la création de mon parfum et que j'imaginais que ça irait bien avec le patchouli. Donc, c'est pour ça. Tout à l'heure, tu disais que tu as fait plusieurs parfums. À qui tu as donné ces parfums ?
J'ai fait 3 parfums en tout. Il y en a un que j'ai gardé pour moi, un second que j'ai donné à ma sœur et un troisième que j'ai donné à ma maman. Enfin, c'était le tout premier que j'ai fabriqué, je l'ai donné à ma maman, mais c'est le plus important, je pense. Et une dernière question, comment est-ce que ces ateliers t'ont aidé pendant ton passage à Ambroise-Paris? Je pense que cet atelier m'a aidé sur beaucoup de facettes, en fait. Ça m'a aidé dans un premier temps à sortir d'un quotidien qui est morne et redondant à l'hôpital, où tous les jours se suivent, se ressemblent, paraissent excessivement longs et de plus sont rythmés uniquement par l'heure des repas, ce qui est assez pesant, surtout dans le cadre d'un trouble du comportement alimentaire. On n'a pas vraiment de distraction, on n'a pas vraiment de choses qui nous font sortir de ça. Et c'est vrai qu'avoir un petit peu d'humanité, un petit peu de vie, d'odeur, d'émotion, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Moi, je prends toujours l'image de la lampe. Quand on est loin de chez soi, loin de tout le monde, on est débranché. Et une fois qu'on se rebranche à ses émotions, on est comme éclairé. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue avec ces ateliers. Puis aussi, il y a eu le bénéfice affectif, dans le sens où lorsque j'ai offert mes parfums, j'ai vraiment senti que ça faisait plaisir aux gens à qui je les offrais. J'ai eu quelques difficultés familiales dues à ma maladie, des séparations relationnelles, ponctuelles mais quand même assez importantes. Et le fait d'aller vers eux, de leur offrir quelque chose, de sentir son utilité, de sentir qu'on apporte une petite touche dans la vie de chaque personne tous les jours quand ils se parfument le matin, que toi, tu n'es pas forcément là, mais tu es quand même là parce qu'ils pensent à toi au moins une fois dans la journée. Moi, ça m'a beaucoup aidée, en particulier avec ma sœur, avec qui j'avais vraiment un peu, pas coupé les ponts, mais en tout cas, avec qui je m'étais beaucoup séparée. Donc, voilà. Merci beaucoup, Anna. Je vous en prie. Donc je vais conclure. Je voulais juste vous dire que donc chez IFF, nous travaillons donc beaucoup pour créer des parfums. Donc pour créer des parfums innovants, émouvants, sensuels pour nos différents, les différentes marques. Mais nous le savons aujourd'hui qu'en fait, le parfum peut amener plein d'autres choses, comme le témoignage que vous avez entendu aujourd'hui. Il peut aussi aider beaucoup de gens atteints de cancer, des gens atteints d'Alzheimer. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on aide aussi un certain nombre de personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Et en fait, donc, le parfum reste ancré en mémoire et un parfum peut changer la vie. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Voilà. Merci beaucoup.